applaudi pour nos Award and Recognition Ceremony. Nous là pour célébrer succès par nos enfants de l'opérateur Taxi qui ont bien travaillé dans l'examen STI et HSI 2022. Sa fonction-là est aussi organisée pour démontrer nos gratitudes envers l'opérateur Taxi qui finit décédé. Et là, nous pensons les halles envers cette famille. Nous invitons tout pour mettre le début afin qu'ils nous observent une minute de silence en mémoire de cet opérateur Taxi qui malheureusement nous quitte nous récemment. Merci. Sans plus tarder, maintenant le plaisir pour inviter M. Paris Nanou, chairperson du Taxi Operators Welfare Fund, pour adresser quelques mots. L'honorable Alain Ganou, ministre du Transport terrestre du Métro Léger, ministre des Affaires étrangères, Coopération régionale et commerce international, PPS et membre de l'Assemblée nationale, Madame Naubat, secrétaire permanente du ministère du Transport, président des différentes associations de taxis et syndicats, distingués invités, moi salue tout au nom de mon nom personnel, et au nom de la Taxi Autorité Welfare Fund. Aujourd'hui, c'est un jour historique. Un jour, côte ministre, député, parlementaire, fonctionnaire et ben, opérateur taxi, fin joint ensemble pour nous apporter un soulagement à ma ben, famille de ben, opérateur taxi qui fin, quitte nous finalement. Et aussi un jour, côte c'est pour la première fois que nous pouvons célébrer performance, sacrifice, le dur labeur de nos enfants, de nos opérateurs taxi. Alors, laisse-moi faire un petit historique pour le Taxi Operators Welfare Fund. Moi, je connais le Taxi Operators Welfare Fund qui vient d'être voté au Parlement. Moi, sa vidéo-là, qui fait montrer nous en 2021. Janvier 2022, nous commençons à faire inscription, enregistrement, pareil comme la loi prévoit, et en mars 2022, nous commençons à collecter cotisations comme prévoit de la loi. Mars 2022, pour jusqu'à aujourd'hui, ça fait environ 16 mois, mais qui nous fait faire pendant ces 16 mois-là? Mon collègue, c'est une petite chose qui est nouveau, quand nous finissons prendre bureau, nous finissons donne la loi, qui finissons déjà voter au Parlement, nous finissons mettre en place tous les paramètres, nous finissons mettre en place les schemes, nous finissons employer les part-time workers avec support du ministère, pour nous capables d'arriver jusqu'à là aujourd'hui. Ben scheme qui nous fait mettre en place, c'est ben scheme qui vous soulage immédiatement ben opérateur de taxi. Comme vous avez dit, nous maintenant un dev grant, c'est-à-dire quand un opérateur de taxi décédé, sa famille souffert, parce que sa madame, sa madame enfants, pas connaît comment vous faites ce travail-là. Nous, le Taxi Operators Welfare Fund, fait mettre en place un dev grant, c'est-à-dire qu'un opérateur décédé sa famille, sur les héritiers, gagne 30 000 roupies. Et non, capable de dire nous que ce n'est pas assez, nous devons faire plus. Mais ça, c'est un début.
de 30 000 roupies à sa famille qui permet de pour capable rediboute le solipier pour un petit bout de temps avant qu'il réussisse à trouver un souffert pour le remettre dans son auto pour le capable de travail. Nous aussi, nous mettons l'emphase sur l'éducation des enfants. Moi, mes enfants, un opérateur taxi, mon papa, ce qu'ils ont dit encore, peut faire taxi. Alors, c'est avec l'éducation qui nous est arrivé. Et c'est pour ça que nous mettons l'emphase beaucoup sur l'éducation. Nous célébrer non seulement les enfants-là, mais aussi les parents. Derrière chaque bon résultat de mes enfants, il y a un sacrifice maman, il y a un sacrifice papa qui vient travailler pour qu'ils enfants-là gagnent un bon résultat. Alors, nous avons une grande qui nous fait mettre en place. C'est une grande d'encouragement. Hein, pour SI, quand on travaille, on passe un examen pour SI, ou bien pour HSI, ou bien même pour lauréat, nous pouvons célébrer ça par de manière grande financière de 5 000, 10 000 et 20 000 roupies. Nous pas seulement get des enfants qui finissent exceller dans un examen. Nous finissons aussi une pensée pour des enfants qui besoin de deuxième sens, qui besoin de récomposer. Moi, on connaît le gouvernement. Les pays, les frais de l'examen, ainsi et ainsi. Mais pour récomposer, ces parents-là qui visent payer les frais de l'examen. Alors, nous faisons mettre à disposition un parent, c'est-à-dire un opérateur de taxi, ces enfants, s'ils peuvent récomposer, nous donnons des loans sans garantie et sans l'intérêt. Qui, je devine prend sa loan là, en taxi au gré des ouvriers. Nous faisons aussi get ban taxi qui gardent dans difficulté. Il y a un cyclone ou bien inondation qui frappe zut. Zut pas connu qui la route pour taper. Avant, à ce là maintenant, le taxi opérateur doit faire fun. Quand nous venons donner un subsistence allowance de 11 075 par mois pendant 3 mois. Nous venons aussi payer excess de l'assurance. Quand tu fais un taxi, tu fais un accident, il n'est pas capable de payer ce excess. Nous venons donner un coup de main, nous payons sur excès. Nous finissons aussi, comme accord avec SICOM. Quand SICOM longtemps participé à un opérateur taxi. Aujourd'hui, SICOM assure un opérateur taxi et il donne jusqu'à 25% de remise lors d'une prime d'assurance. Et aussi, il donne un medical assistance si ce fait taxi là. Et dans une équipe malade, jusqu'à 100 000 roupies, si comme les couverts. Et comment nous finissons dire, nous là pour aider sauver un taxi. Non seulement sauver un taxi, avec sa famille. Comment vous connaissez, sauver un taxi, ce plus grand outil, ce outil de travail, c'est sur le tout. Vous connaissez, sauver un taxi, il est là sur le tout grand matin, il a poussière, il est là avec même. Et ce gouvernement là finit faire du outil sur 5 ans et 24 ans. Ce qui nous caravane aux autres, c'est qui nous veut travailler pour nous venir avec un core loan allowance. Un core loan scheme qui nous est capable de prendre loan pour 100 autres l'auto avec taxi opérateurs. Il y en a beaucoup d'après nos statistiques de banement qui finissent enregistrées. Nous trouvons que la démographie du ban taxi trouve entre 45 jusqu'à 1 an. 75 ans. Alors, c'est difficile pour avoir un loan, pour être sans autre loto, à la banque, et n'a pas besoin de la terre en gaz, ou bien les autres immobiliers. Alors, le taxi opérateur Welfare Fund, nous là, pour nous amener un soulagement dans cette optique-là, qui nous donne un loan, et donc on peut travailler sur l'aspect technique, mais nous sommes capables d'avoir un autre qui nous donne un loan pour sans loto. Alors, c'est pour notre bien-être que le taxi opérateur Welfare Fund est là. Nous faisons un appel à un opérateur taxi qui n'a pas encore enregistré ou bien qui n'est pas régulier dans notre paiement. Qui suive la loi, enregistrer, faire notre paiement régulièrement. Nous faisons mettre à notre disposition plusieurs moyens de faire paiement. Et là, cash, pour juice, pour pop, pour bling, pour standing orders, différents moyens pour être capable de faire ce paiement de cette cotisation. Aujourd'hui, nous avons environ 5 000 chauffeurs taxis qui finissent enregistrés.
l'eau a une population de 7000 chauffeurs taxi. Nous finissons logement traverse la bord de 50% et dans la caisse, mon capara nous autres qui nous aidons environ 17 millions d'euros. Le gouvernement qui donne nous 800 000 pour nous démarrer et nous finissons faire ça, l'argent a fructifié pour arriver jusqu'à aujourd'hui 17 millions. Et tous les jours, nous avons un opérateur de taxi qui peut venir continuer à enregistrer, nous avons environ une cinquantaine. Dans ce saisissement-là aussi, le Taxi Operators Welfare Fund finance comme une plateforme entre les autorités et l'opérateur taxi. Il n'est pas dans nos mandats, il n'est pas dans nos ambitions, mais nous finissons là pour amener un soulagement. Nous finissons aide pour relocaliser l'opérateur de taxi dans Victoria Urban Terminal. Nous finissons gagner une discussion dans différents hôtels avec la direction de l'hôtel pour qui nous ayons un taxi desk. Nous finissons aide le ministère avec un input pour amendre certaines régulations de la NLTA. Côté d'un beaucoup, un opérateur de taxi longtemps, quand je suis basé dans l'hôtel, quand l'hôtel est en rénovation, je viens retourne aux autres bases initiales. Aujourd'hui, nous, le cabinet vient prendre une décision qui nous capable de redéployer ça va l'opérateur taxi dans l'hôtel avoisinant. Nous finissons aussi amène soulagement dans différents cas de l'opérateur taxi. Et la fois, j'ai un problème passe, j'ai un problème héritier, j'ai un problème pour gagner sauver un taxi. Le taxi opérateur WFFN finit être une plateforme. Nous encore, il y a beaucoup pour faire, nous le fait créer et nous dans un bon chemin. Et c'est pour cela qu'il nous vise un coup de main tout du monde. Il nous vise un coup de main tout l'opérateur taxi, il nous vise un coup de main les autorités, il nous vise un coup de main de la population en entier. Alors, aujourd'hui, nous là pour nous apporter du soutien à la famille qui est décédée et aussi, de l'autre côté, pour nous célébrer la famille qui finit excellée. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et merci encore pour votre attention. Merci, M. Nanou, pour l'allocution. Maintenant, on a l'honneur et le privilège pour inviter l'honorable Alain Ganou, ministre du Transport terrestre et du Métro léger, ministre des Affaires étrangères, Intégration régionale et Commerce international, pour adresser nous quelques mots. Merci, mademoiselle, maître de la cérémonie. Je suis content, moi aussi, de saluer ma distinguée invitée ici présente, mon bon camarade parlementaire, la PPS Diol, camarade Salim, camarade Soubachini, la PS, le président du Taxi Operators Welfare Fund, mon officier du ministère, tout mon camarade chauffeur taxi ici, mon board, et les familles présentes, mes élèves, mes parents, qui nous rassemblait ici à l'occasion de sa cérémonie-là. Comment vous avez pu l'écouter, le président vient d'y aller avant moi. Je pense que sa décision que le gouvernement prend à l'époque pour mettre sur pied le taxi opérateur de WFFN, c'est là que tu trouvais l'écran, le premier ministre qui s'annonce ça première fois dans un discours en budget. Après, l'année prochaine, quand le nouveau gouvernement est béni, moi, en tant que ministre du Transport, une de mes premières affaires, moi, mettre moi au travail, c'était pour faire bien une réalité sa taxe aux politiques. Et donc, nous venons faire le travail, nous venons drafter la loi, nous venons envoyer ça contre le ministre de la Justice, nous venons corriger ce qu'il y en a pour corriger. Et nous gagnons la loi qui nous amène dans le Parlement, qui nous introduit dans le Parlement. D'ailleurs, là aussi, je suis trouvé. C'est un débat dans le Parlement. Et vous êtes des autres qui, tout du monde dans l'Assemblée nationale, qui est d'accord avec ça pour moi. Personne ne peut dire non. Parce qu'il y a une bonne affaire qui nous fait. Et
et qui pourra assurer le bien-être social et le bien-être financier de mon opérateur taxi ainsi que cette famille. C'était ça l'idée maîtresse de mettre sur pied ce fonds-là. Et vous devez être connaître aussi qu'avant, le fonds divine une réalité, gouvernement des Alpes et de la communauté de mon chauffeur taxi. Parce que là, mon taxi, mon chauffeur taxi, c'est occupé une place importante dans nos pays, dans nos landscape du transport. Et le gouvernement fait tout le temps encore une attention spéciale à mon problème de mon opérateur taxi. C'est à cause de ça, le gouvernement vient de l'avant. Parce avant la mise sur pied du fonds, le gouvernement qui vient avec un one-off allowance de 100 000 roupies qui va être un taxi qui vous bénéficiez quand vous achetez ben, votre loto et au site qu'on entendait tout à l'heure là, vous êtes éligible pour duty free chaque 4 ans au lieu de chaque 5 ans. Et ben, le taxi aussi paye une déclaration moins qui va les autres propriétaires loto privé. Alors, pendant Covid aussi, je te rappelle, nous, gouvernement, et moi comme ministre du Transport, nous avons fait des efforts spéciaux pendant le confinement COVID-19 pour soulager l'industrie du transport en général, mais aussi ben, opérateur taxi. Quand l'État prend en charge salaire ben, employé transport public à travers Government Wage Assistance Scheme et Self-Employed Assistance Scheme, quand ben, milliers de travailleurs de transport finissent bénéficier d'aide des gouvernements. D'ailleurs, en bas, le Self-Employed Assistance Scheme, il y en a plus que 130 millions de roupies qui s'est déboursé en 2020 et 2021. Il y en a une location qui est aussi d'une bonne chauffeur taxi, comme ce qui opère dans l'hôtel, parce qu'ils sont bien affectés quand frontières sont fermées, touristes, l'hôtel est fermé, et bien touristes ne peuvent pas venir dans le pays. De l'autre côté, un chauffeur taxi en bas de 60 ans, qui gagne une location environ 5 000 roupies mensuellement, et ça, ça coûte le gouvernement plusieurs millions de roupies dans ce moment difficile-là. Et donc, ce qui m'a permis de dire tout le temps, le gouvernement finit et finit de donner un soutien à l'opérateur taxi, parce qu'il nous... Et là, couronne tout ça là, nous venons de l'avant avec ça, taxi au priorité de Welfare Fund, parce qu'il nous réalisait qu'un métier taxi, même taxi opérateur, est bien challenging. Pénaler, ils ont besoin de faire course, ils ont besoin de dépanner du monde par l'hôpital à soi, ils ont besoin de quitter du monde à l'aéroport, ben, bonnet à grand matin, et ils ont fait face à beaucoup de pression. Et aussi, quand je connais un super taxi, il opère tout seul dans la journée, et qu'à soir, et il est susceptible à plusieurs risques. Et pénaler week-end pour lui, pénaler congé public pour lui, il est besoin disponible pour faire course, et on est content aujourd'hui, comme ministre du Transport, de dire merci à la communauté de taxi opérateur. Un grand bravo pour votre dévouement. À nous taper la main, vous-même, pour votre super taxi. Et merci pour le service que vous demandez à la population depuis toute sa bonne année, avant l'indépendance et qu'après l'indépendance. Nous bien reconnaître votre contribution et dans ce secteur transport-là. Et comment vous aussi ont contribué dans le développement du pays. C'est eux qui voyagent, qui véhiculent les touristes. Nous avons mis des gens, des rendez-vous importants, des Mauriciens, des gens qui disent qu'ils là. Et là, quand les autres services sont arrêtés, bus arrête un certain air, même métro aujourd'hui arrête un certain air, mais les taximens sont toujours là disponibles dans la soirée, même à soir, pour servir la population mauricienne. C'est à cause de ça, nous exprimons nos reconnaissances aujourd'hui à tous les frères. Sauf Evan Serre, parce qu'il y en a aussi, malheureusement, il n'a pas conduit un taxi pour notre dévouement, pour notre contribution dans l'économie du pays. Alors, nous saluons les efforts, et comme on dit, autres, là, étant le nouveau gouvernement est élu en 2019, une priorité, nous avons envie de mettre une fois pour toute sa welfare fund-là, pour mieux encadrer mon opérateur taxi et améliorer notre welfare. Parce que, nous connaissons qu'il y a des autres welfare funds dans les autres secteurs. Et dans le tourisme, dans le secteur tourisme, par exemple, dans l'industrie bis, par exemple, dans l'industrie transport bis, il y a un welfare fund. Et donc, nous aussi, pour se faire taxi, nous avons envie de mettre ce fonds-là. Et ce fonds-là, ce welfare fund-là,
comme le président dit avant moi, ce mandat principal, ce l'objectif principal, c'est de mettre dans le scheme et dans le projet pour bien-être, pour l'avancement de votre super taxi, comme nous entendons tout à l'heure, dans le loan scheme, dans le grant et dans l'activité récréative. Alors, nous avons environ aujourd'hui 7000 opérateurs taxi dans Maurice. Nous avons commencé l'enregistrement en janvier 2022 et nous commençons à collecter la cotisation. Graduellement, nous avons gagné de l'intérêt. Nous faisons beaucoup de travail de outreaching. Ça vient nous expliquer dans le super taxi qui fait aller dans notre avantage de rentrer dans ce fond-là. Et aujourd'hui, quand vous entendez, il y a presque 5000 opérateurs qui font partie de ce fond-là. Et ce fond, il arrive 17 millions de roupies. C'est beaucoup ça. Hein? Quand on est capable d'imaginer, à nous faire une hygiène qu'on imaginait, quand on est capable d'imaginer qu'il va se faire taxi, de tout pour cotiser, malgré le gouvernement qui met 800 000 premier coup, ça 800 000 qui gouvernement qui mettait, comment dire, le gouvernement qui coule premier base, mais après, les autres qui cotisaient. Aujourd'hui, nous arrivons à 17 millions. Puis quand on est capable d'imaginer ça, imagine ça, ben, se faire taxi, je vous mets, je te casse, la fin du mois, cotiser, et aujourd'hui nous gagnons 17 millions roupies. Et ce qui m'a pas rassuré à aussi, mes camarades, nous pouvons veiller au niveau du ministère qui savent le faire fin là, les pour être utilisés d'une façon très propre, correcte, d'une façon judicieuse, mais il y a gaspillage, parce que c'est là que se faire taxi ça. Et nous avons un audit interne, vous besoin des autres, pour être ce fond-là, adopter un bon mécanisme, un bon système, et la ministre de finance, son représentant de ce fond-là, pour veiller qu'aucun argent se fait taxi n'a pas gaspillé. Et mon capable des autres, qui jusqu'à l'air, le welfare fund peut allouer 70% sur une recette pour se faire taxi, pour une scheme, et il y en a 10% qui nous gardent comme réserve. Ça veut dire, pas besoin de tracasser, les autres l'argent peut bien monitorer, peut bien surveiller par le board, par un fonctionnaire qui est responsable et qui peut donner un coup de main pour que le fonds continue de développer. Et alors, pour une loban scheme, tout à l'heure là, le président Fingier des trois affaires, moi, pour répéter, et ça va le faire fin là. Aujourd'hui, l'IFIN commence une opérationnelle et nous avons déjà mis en place pour faire taxi, un scheme, un grant pour l'éducation et clone, etc. Et contrairement à les autres institutions financières, par exemple, quand vous donnez un grant ou bien un loan, get ou l'âge, etc., tandis que dans ce cas-là, un opérateur taxi, de tout bénéficier de Manloan, indépendamment de qui l'âge de Téna, et de tout gagner sa facilité là, parce qu'il nous connaît qu'aujourd'hui, une bonne partie de Manloan Taxi, de l'arrivée d'un certain âge avancé, et souvent la banque, comme on devait le connaître, la banque pas trop intéressée pour prêter un Djimoun, pour donner loan à un Djimoun quand ce âge est trop avancé. Mais nous ne pouvons pas faire comme ça, nos raisonnements différents, parce qu'il nous connaît quand se fait taxi, dans problème, dans difficulté, et nous pouvons faire le nécessaire malgré ce l'âge. Alors, dans tout ce scheme qui nous causait là, vous pensez, c'est une tournée qui est allée là, le président vient dire, vous savez, répète ça, mon camarade, un medical scheme, en cas un opérateur taxi, subitement, il est là pour faire une opération, et il n'est pas capable de travailler au moins 15 jours, à cause de l'opération majeure qu'il vient faire là, qui arrive là, disons, je suis un super taxi malade à faire une opération, il n'a pas parlé de tout ça. Pas vrai, un coup, un malade n'est pas prêt, ce super taxi là, normalement, c'est pour rester la case. S'il est touché le travail de sa famille, ça veut dire qu'il est fermé dans la case. Mais avec sa scheme qui nous fait présenter là, donc un super taxi pour capable bénéficier d'un subsistence allowance jusqu'à 12 075 roupies par mois pour un maximum de 3 mois. Ce n'est pas beaucoup. Mais quand les quittes choses quand même, mon camarade, en place n'en rien, donc on nous disait content, hein, nous félicite le président, et que ce ban mambo, tout vienne avec sa scheme quand il se fait taxi malade. Deuxième affaire,
elle estime qu'elle attire l'attention sur cet accident-là. Elle se fait taxi presque 24 heures, il est au volant. Il y a la case pour dormir. Un accident, nous connaissons. Personne ne prend bien un accident, mais accident arrivé. Donc, nous finissons mettre sur pied cet accident scheme-là. Si encore un opérateur taxi finit de voler un accident, il a une capacité de travail pour plus que 15 jours, il est capable de bénéficier. Il fait un accident, sur l'auto il est endommagé, sur l'auto il est écrasé, il peut bénéficier d'un loan sans garantie, jusqu'à 50 000 roupies, à un taux d'intérêt de 3% avec 3 mois moratoire. Ça veut dire un loan, mais avec ben, les autres facilités qui accompagnent le remboursement de sa loan, là, 3 mois, il n'est capable de pas payer, et quand il vous paye aussi, il vous paye juste 3%, il vous est remboursé, avec un 3% d'intérêt, parce que le fonds même qui vous bénéficie de ces 3% d'intérêt-là, mais ce taxi-là aussi, il sort aussi dans ce défi, dans cette difficulté, il gagne quand même un petit 50 000 roupies pour être capable de servir après cet accident-là. Alors, et vous êtes aussi que le bol peut travailler devant les autres schemes. Le bol peut casser la tête pour guetter à part de nos enfants. D'aller nous donner un prix qu'on s'est devait trouver, un shield, à part d'un taximen décédé, à part d'un taximen qui fait l'opération, à part d'un taximen qui fait un accident. Le bol peut casser la tête tous les jours pour venir aussi avec les autres nouveaux schemes pour être ce travail-là peut continuer, travail-là peut faire. Et moi, je vous invite le board pour considérer introduire une autre mesure pour assurer la sécurité de se faire taxer. Souvent, nous entendons qu'il va se faire taxer attaqué par des voyous, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons qu'il y a un problème, qui fléau peut attaquer nos sociétés. Pareil comme dans tout pays du monde aujourd'hui, il y a un problème qu'ils ont connu là. Très souvent, malheureusement, le taxi mène à la merci de Ban Jimoun sans foi ni loi, ça veut dire Ban Jimoun qui est capable de faire n'importe quoi. Et Ban Taximen, comme on dit, là, souvent, vous êtes touché dans l'auto. Et nous visons, imagine la possibilité de mettre sur pied sa mécanisme qui existait déjà dans Maurice. Vous vous rappelez dans quel secteur, par exemple. Comme ailleurs, ce taxi-là capable de peser un panic button et qui vous a installé dans le taxi-là. Et ce fait-là n'est qu'un quoi pile sur le bouton. Pour la police alerter en cas qu'il y a une difficulté, qu'il y a un problème. Je connais une madame qui est victime de la violence domestique ou bien qui appréhende la violence domestique. Une madame, il y a une application qui est capable d'appeler au secours. Une vieille dimoune aussi, pareil. Donc nous devons faire ça pour se faire taxer tout le mécanisme. Et moi, je demande au président et les membres du board, nous devons faire une manière de faire ça avec une réalité pour nous capables de protéger mon camarade chauffeur taxi contre sa qualité danger qui nous fait causer là. Après, nous pouvons aussi, et nous avons les autres projets qu'on entraîne, formation et empowerment de mon chauffeur taxi, comme customer service et la sécurité routière. Et ce qu'ils ont envie de faire en vérité aujourd'hui, quand nous mettons ça pour la Djibout et que ça va le scheme qui nous peut venir là, nous avons envie permettre la professionnalisation davantage de ce métier de chauffeur taxi-là. Vous connaissez, nous devons valoriser ce travail-là. Parce que longtemps, on a dit qu'il y a précisé contre chauffeur taxi. Mais chauffeur taxi, il y a un métier noble, nous faisons qu'il y ait là, lié à la contribution, il contribue à l'économie du pays. Et le public besoin respect de chauffeur taxi, parce qu'il paraît comme n'importe quel autre métier. Et nous besoin aussi seulement de donner une formation à chauffeur taxi. Vous êtes capable de servir un touriste ou bien tout n'importe qui passager et customer service, on appelle ça, et qui nous donne plus de valeur, mon camarade chauffeur taxi. Et nous demandons à un taxi opérateur collabore avec nous, avec le fonds, et dans ce contexte même, qui m'a aussi content de lancer un appel avec mon hôtelier, mon propriétaire de l'hôtel, pour qu'ils soient capables de montrer plus beaucoup de respect à nos bandes de taxi et de nous autres bandes facilité. Par exemple, comme un des taxis dans beaucoup d'hôtels de Paco Inasa, et ou bien une place appropriée, confortable, qu'ils soient capables de garder l'auto et qu'ils soient capables d'attendre quand les touristes sont dans l'hôtel, venir rentrer dans le taxi pour qu'ils soient capables de faire un sightseeing dans le pays.
Donc, ban hôtelier et même responsable des autochi, vous êtes contribué à la valorisation à redonner nos bonnes camarades sur la dignité, n'a pas fait d'autres, comment dire, comment les impôts peuvent redonner la vie devant l'hôtel. Non, vous êtes métier ça, vous êtes dans votre tout la considération qu'ils ont besoin, qu'ils ont mérité. Et une des premières façons de faire ça, c'est de notre bonne desk que je peux demander dans mon hôtel qui paye dans mon taxi desk. Donc, nous là, comment on est là, le président dit à nous, en vérité, essentiellement pour récompense de nos enfants sur le taxi, mon opérateur taxi, surtout pour ceux qui ont bien travaillé pour l'examen SI et KSSI, mon parent qui l'a aujourd'hui, monsieur, je suis fier de nos enfants, ce que nos enfants ont accompli. Moi aussi, je suis bien content et bien satisfait. Aujourd'hui, nous vous faire l'honneur à nos enfants devant taxi opérateurs et à nous donner une petite récompense pour saluer tous les bons efforts qu'ils ont fait. Et bien pourtant, comme on dit à Taliana, qui nous continue, valorise le taxi opérateur, mais aussi paye le respect qui nous vise à nos enfants opérateurs taxi qui nous font des efforts, des sacrifices dans notre étude. Et je souhaite beaucoup de bonne chance, mes élèves qui sont là, qui m'écoutent moi, pour qu'ils soient capables de continuer dans votre, la vie d'étudiant et pour être capables de terminer en beauté votre schooling. Et je dis ça parce que je connais que l'éducation veut dire dans nos pays, dans la vie du monde, l'éducation c'est une échelle qui nous grimpe pour nous capables d'arriver plus là-haut, c'est un passeport qui permet de nous voyager partout. C'est la clé qui permet de nous ouvrir toute la porte. C'est à travers l'éducation donc qui nous progresse. C'est à cause de ça même. Mes élèves qui là, votre maman, papa, peut faire des pauvres. Votre papa, ce travail n'est pas facile. Et le gouvernement, de ce côté, peut investir massivement dans l'éducation. Donc, mon chien, qui mes élèves qui là, pour continuer le bon chemin qu'ils ont désapprend. Le fait qu'ils ont dit, je veux une probable prix, une récompense, montrer qu'ils ont un bel avenir devant eux. Le gouvernement peut faire tout ce qu'il est capable dans l'éducation. Quand vous devez connaître, nous pouvons venir s'annoncer début de l'année prochaine, pré-primaire pour une gratis. Primaire, c'est gratis, secondaire, c'est gratis, l'université, c'est gratis, à ce la pré-primaire. Le gouvernement est d'accord pour soutenir l'école pré-primaire, le gouvernement pour payer tout près l'école pré-primaire. Vous connaissez qui fait? Parce que quand les enfants à l'école primaire, pré-primaire, la même. Ça va la graine là, nous peut sème la graine là sur la tête. L'éducation pré-primaire, ça même phase bien important, la même qui tout travaille à faire. C'est une enfant qui a une bonne éducation à sa base là, les la bonne base, ils étaient, on appelle ça en français la petite enfance. Et ça même l'étape importante dans le progrès des enfants. Et il est important donc que le gouvernement prend en main l'éducation pré-primaire. Et donc, moi, je suis bien content aujourd'hui. Les enfants opérateurs taxi peuvent briller et nous pouvons célébrer ça ensemble. Et je connais aujourd'hui, il y a compétition beaucoup dans nos pays, dans le monde entier. Personne ne peut nous faire nous cadeau. Nous besoin nous-mêmes, servir tout ce qui bon Dieu nous donne. L'intelligence qu'il nous donne, la capacité pour nous capables de raisonner. Bon Dieu fait nous tout pareil. Seulement, ce qui est arrivé, il y a certains qui ont plus beaucoup de facilités et privilèges que les autres. À cause de ça même, donc, comment dire, nous dire, oui, c'est là, il est plus intelligent que l'autre. Il n'a pas vrai ça. Nous tous, on a même l'intelligence. Malheureusement, dans l'époque de nous, l'histoire, nous partons gagner, nous avons partis gagner toute facilité qu'ils ont dit de gagner. Avec toute facilité aujourd'hui, parce que le gouvernement démocratise l'éducation, nous devons servir tous à cette facilité-là. Et moi, je suis bien content, je pense de tout pareil pour moi. Quand de temps en temps, nous avons des enfants, une lauréat, sorti devant l'endroit qui longtemps est méprisé par la population. Pas vrai? Quand nous avons des enfants, une lauréat dans tel petit endroit, telle petite localité, tel petit faubourg, telle petite cité, il fait nous beaucoup, beaucoup plaisir. J'ai la preuve que bon Dieu donne nous toute l'intelligence pareille, mais seulement votre parent, responsable pour l'éducation de nos enfants, et le bien encadrer les autres de nos enfants bien. Parce que derrière, c'est que c'est bonnes enfants, c'est sacrifice de parents qui est là. Et à cause de ça, donc, aujourd'hui, je suis content, félicite mes parents aussi, pour l'encouragement
l'encadrement que je donne aux bons enfants. Et je félicite donc les parents et les bons enfants. Et ça, c'est la cérémonie-là. Donc, il y a une portée symbolique aussi, parce qu'il nous fait rappel contribution à l'opérateur taxi qui vient quitter nous. On fait que déjà derrière là, c'est à cause de ça que ça, le fonds il met en place un scheme spécial pour qu'il nous capable aussi commémorer la rappel, la mémoire de mon opérateur qui vient décéder. Et en même temps, ce scheme-là, il vous donne un coup de main à la famille, parce qu'il y a une poteau. Nous tombons dans la famille, nous connaissons comment il est difficile pour répondre. Mais donc le taxi opérateur de Wapepen, il m'a signé aussi sa scheme à mon frère, chauffeur taxi qui vient décéder. Nous m'a signé donc une façon pour nous capables d'aider la famille. À travers sa death grant qui est allée là, le président, il rappelle nous 30 000 roupies qu'il nous peut allouer à ma famille de mon opérateur qui vient décéder. Et en faisant ceci, il nous peut reconnaître notre contribution dans le développement. C'est symbolique, mais il a aussi démontré que le fonds, il accueille non seulement le bien-être de l'opérateur, mais aussi il tenait compte la famille aussi. Parce que nous connaissons comment la famille souffert, il y a des difficultés après le décès d'un papa. Donc, nous pouvons continuer à agir comme à sa plateforme pour faire avancer la cause de l'opérateur taxi. Et comme on disait tout à l'heure, nous pouvons venir de l'avoir avec les autres proposals, les autres schemes. Et, mais seulement comme on dit à l'heure là, il est important que tout camarade super taxi vienne membre de sa fond là. Je devais imaginer si tous les 7000 opérateurs taxi rentrent dans sa fond là, qui poit la caisse du taxi operators welfare fund pour là, mon camarade. Pour n'a plus beaucoup de schemes pour qu'il puisse pouvoir mettre à notre disposition. Et à cause de ça, donc, vrai même, au début, qui toi retient un doute, qui peut faire avec sa fond-là? Panga Perot, comment dire, fait mandat avec nous l'argent. Et moi, je dire d'autres affaires. Le président pas dire ça. Le président du taxi Welfare Fund, camarade Parvez, un sou, il n'a pas pris comme président. Il peut faire ce travail-là volontairement. Hein, je pense, parce que, comme je dis, il y a d'autres années là, ce papa qui a une super taxi, qui m'a connu, ce papa, il y a encore super taxi jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire, ce qui m'ont permis de dire d'autres, nous, ce fonds-là, il y a un fonds sacré pour nous, PS là, ben, l'officier là, le ministère des Finances là, nous veillons à qu'il n'y ait aucun, comment dire, gaspillage de ce fonds-là, parce que c'est de la souhaite qui se peut verser de ce fonds-là, et nous vous protégez ce fonds-là bien. Et donc, j'espérais que le fonds continue de grandir, plus beaucoup moins. La caisse continue, PSP lourd, sorti 17 millions, il y a encore les autres plusieurs millions pour permettre de venir de l'avoir avec un scheme très intéressant pour les autres bonnes camarades. Pour terminer, mon existe des autres comme ministre du Transport, les autres bien connus, qui nous paient déjà en classe la machinerie pour moderniser le système de transport à Maurice, pour nous gagner une meilleure intégration entre différents modes de transport, métro, bus, taxi, van, tibis, etc. C'est à cause de ça, je connais que mon ministère est venu de l'avant avec un transport master plan pour développer une feuille de route pour que le secteur de transport, déjà aujourd'hui, peut contribuer 4% dans le GDP. Avec ce master plan-là, nous pouvons accorder une attention particulière à mon camarade taxi, car mon taxi, mon opérateur taxi, c'est un maillon solide dans la chaîne de nos systèmes de transport parce qu'ils assurent le déplacement, mobilité de plusieurs milliers de Mauriciens tous les jours. Et vous connaissez partout et dans le nouveau développement résidentiel aujourd'hui, partout et dans le nouveau morcellement. Et la case peut monter partout, 8000 la case peut monter partout. Vous devez trouver, les groundbreaking ceremony peut faire tous les jours, dans 4, 5, 6 coins de l'île Maurice. Donc, du monde peut viser un moyen de transport. Et à cause de ça, donc, la configuration de nos systèmes de transport, il peut évoluer, il peut changer. Et comme on dit, le rôle de Van Taxi Operator devient encore plus important dans son espèce développement, croissance, que l'île Maurice peut gagner, transformation sur paysage en termes de développement qui peut y avoir, nouveau morcellement, nouveau la route, nouveau cimé, nouveau complexe LHDC, un peu partout.
Donc, je suis content avant de terminer aussi. Remercier le super taxi. Parce que je connais le monde discipliné sur la route. Je connais la sécurité routière aujourd'hui, comment on peut faire des dégâts. Mais très souvent, ça ban, la cause de l'accident là, c'est l'irresponsabilité de le chauffeur. Il n'a pas de taper un petit gros, vous êtes le volant. Il n'a pas même de prendre la drogue, vous êtes le volant. Il n'a pas même nous-mêmes, nous le téléphone, nous le volant. Il n'a pas nous faire la vitesse, nous le volant. Il n'a pas nous dépasser la ligne blanche. Il n'a pas majorité accident à Maurice. Aussi, vitesse, et bien, du monde peut traverser l'auto quand vous n'êtes pas assuré, qu'ils sont capables de traverser l'auto qui dérange là. Donc, nous visons la coopération de tout le monde pour nous capables diminuer le nombre d'accidents fatals sur la route aujourd'hui. Et jusqu'à ce que vous connaissez, nous devons passer de la loi pour être capable de détecter et combattre la drogue qui va nous faire taxi, pardon, qui va nous faire l'auto privé. Vous connaissez un laboratoire qui nous est dans nos pays, qui est capable de détecter quand on prend ou 10 ans qui la drogue on prend et combien la drogue on prend. Et nous avons un cas. Quand on a un zen, on va chauffer l'auto privé, on peut poser là, il a arrêté avec, je ne sais pas, 6, 7 qualités, de peut sortir discothèque dans 10 ans, 10, 6, 7 différents types de drogue dans 10 ans. Il montre nous comment la situation est grave et comment encore il y a malheureusement la dimension responsable au volant. Parce qu'une seconde d'imprudence, une seconde qui ne pas faire attention, une seconde qui nous. Faire, nous agir en irresponsable, nous prend l'alcool avant nous prend volant, et car coûte la vie à Bandimoun innocent. Alors, pour terminer, je salue les efforts du chairperson, du board, et aujourd'hui, je suis content qu'il nous fasse sa fonction là, il permet nous aussi disséminer ce qu'ils le font, ou être afin de faire. Dans l'intérêt de mon chauffeur taxi et aussi au grand public aujourd'hui qui à travers la presse pour connaître un peu le progrès de sa fond là et sa décision importante qu'il nous prend quand il se passe à la loi pour mettre sur pied le taxi opérateur Welfare Fund. Donc, je remercie tous les participants aujourd'hui et tous les camarades opérateurs taxi pour votre présence et comme on disait tout à l'heure là. Moi, je suis confiant en tant que ministre qui nous pourvient encore avec ben, les activités scheme qui pour faire ben, se faire taxi, gagner encore ben, les autres avantages avec sa taxi opérative ben, là, avec l'argent qu'il veut payer et contribuer. Donc merci encore une fois, moi c'est tout une bonne soirée. Vive le taxi operators welfare fund, vive le joli pays, la République de l'île Maurice. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur le ministre, pour votre propos encourageant envers la communauté taxi. Maintenant, on invite Monsieur le ministre pour la remise de certificats en mémoire de votre opérateur taxi qui finit nous récemment pour démontrer nos appréciations par rapport à cette contribution à la nation. Nous pouvons aussi remettre un chèque à membres de cette famille. Ouais, on invite la famille de Monsieur Jean-Louis pour recevoir ce certificat et chèque. Merci, Monsieur le ministre. Astel, nous pouvons procéder avec remise des shields à des enfants devant l'opérateur taxi qui infèrent le nez des parents dans le dernier examen SI. Nous aussi reconnaissons les efforts qui vont parents infèrent pour ces enfants bien réussis dans cet examen. Nous pouvons aussi remettre un certificat et un chèque à sa bande parent-là. Nous invitons Honorable Abbas Mahmoud pour remettre un prix à Monsieur et Madame Nour Mahomet et ce Tifi Nida.
Emmanuel et de Titi à chaque recevoir des prix. Lachman Roy pour remettre un prix à Monsieur et Madame Ramjan et The TV Fatima.
Merci, monsieur le ministre. Distingués invités, nous venons d'arriver à la fin de nos awards and recognition ceremony. Nous espérons que les enfants de nos opérateurs taxi continuent à faire le nez à leurs parents et contribuent à l'avancement de nos pays. Je remercie surtout au nom du Taxi Operators Welfare Fund et du ministère pour votre présence. Et je vous invite à prendre une petite collation ensemble. Merci.